C'est Noël! Ouais! Salut, c'est PL Cloutier. Aujourd'hui, je suis avec... Allô! Avec Alex Perron! Allô, PL! PL! Oh, hey, mon cher Alex, combien ça fait de temps que t'es caché là? Écoute, ça fait un bon 45 minutes. Là, j'ai les rotules engourdies. C'est super le fun. Explique aux internautes qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Ben, je le sais pas parce que c'est toi qui m'invites. Puis que je sais qu'en fait, je remplace quelqu'un. Je suis ton deuxième choix parce que quelqu'un qui t'a chié dans les mains. Puis donc, je sais pas. Qui t'a chié dans les mains? C'est Thomas Gauthier. On va tout de suite le saluer. Bonjour, Thomas Gauthier, mange-marde. Tu sais pas c'est qui, hein? Non, j'aime pas. Mais je le juge quand même, parce que moi, c'est pas quelqu'un de parole. Ben, en tout cas, il y a eu un empêchement. On va y laisser le bénéfice. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, un empêchement? Ben, je sais pas, il m'a dit qu'il était perdu sur la Rive-Sud, puis qu'il avait pas de GPS. Mais c'est bizarre, parce que moi, j'arrive de la Rive-Sud, puis ça a super bien traversé. Bon! Qu'est-ce qu'on cuisine? Oui, on va cuisiner une recette pas de main aujourd'hui, Alex. C'est vrai? On va se trancher? Oui, non, j'ai mieux que ça. Regarde ce que j'ai prévu pour toi. De la boisson? C'est un concept populaire sur ma chaîne YouTube. Okay. L'idée, c'est qu'on va faire une recette, un classique des fêtes aujourd'hui. On va faire un classique dans ma famille, qui est le Rice Krispies au guimauve spécial des fêtes. Ah ben écoute, je suis content de cuisiner ça parce que ça fait longtemps que je voulais faire cette recette-là. En fait, je pense que depuis, je dirais à peu près 96-97, à chaque année, je me dis, il faut vraiment que je me fasse des Rice Krispies du temps des fêtes. Puis c'est ce que c'est, on est occupé, les achats, mais puis ça finit tout le temps, je le fais pas. Puis là, ce matin, ça arrive, puis je suis vraiment... C'est un beau moment. Comme c'est fête, je vais pas regarder la dépense, on y va sur les bulles. Oui, je vois bien ça, regarde ça, c'est investi, bravo. Alors toi, t'as deux mains, hein? Oui, ça c'est exactement ça, moi j'ai deux mains. Ok, alors je vais t'en ouvrir deux. Puis toi, t'as deux mains aussi? Oui. C'est ça, donc je vais t'en ouvrir une aussi. J'ai un autre membre assez imposant, mais celui-là, on va pas rien accrocher dessus. Mais en fait, tu pourrais, mais ça servira absolument à rien pour notre recette, j'imagine. Tout peut arriver! Moi, c'est ça, je sais pas. Est-ce que ça va être la première fois que tu cuisines en boisson? Non, en boisson non, c'est pas la première fois. Mais c'est la première fois que je cuisine avec du champagne tapé sur les mains. Oui? So, oui. Je suis content qu'on vive des premières fois ensemble. Ouais, moi aussi. Oups. Ok. Attends, là, tu me tapes les doigts, je pourrais pas comprendre que je pense. Non, mais c'est ça l'idée. Oui, je comprends. C'est lire. Oh boy. On est arrivé à la fin de mon, de mon boulot. Heureusement, t'en as un. J'en ai un deuxième! C'était prévu! C'était une blague de fin de rouleau. C'est toujours drôle. Que... Alors, là, comment je vais faire pour la prochaine? Je pense que je vais me préparer des rubans. Ah, ça c'est bien pensé. D'avance. Ça c'est bien pensé. Pendant que tu coupes tes têtes, je vois que tu portes la pantoufle du troisième âge. Oui! Et que c'est sexy ça. C'est mes mocassins. Oui, ça, c'est clairement des mocassins. C'est mon clin d'œil aux gens des Premières Nations. Oui, bravo. Oh. C'est la deuxième qui va être un petit peu plus difficile à... Parfait. C'est bon? Bon, tu vois, on est TP. Oui! Attends, mais on se fait pas un petit chin avant? Mm-hmm. Ah, pourquoi? Je sais pas, ça me tente pas. Ah! Je savais que t'étais un faux fin. Ouais, ouais, voyons donc. Je m'aime pas ici mentalement. Alors, nous passons derrière les comptoirs. Oui, première étape, ça va être de prendre la boîte qui est dans le... L'armoire? Dans l'armoire. L'armoire du haut. T'es bien parti. Ah! Il devrait... Celle-là? Oui, c'est ça. Je l'ai. Regarde ça! Direct sur le top, en plus. Bravo! Voilà, as-tu d'autres choses avant que je referme? Non, je pense que c'est bon. Liste d'ingrédients pour la recette. Ça prend de la margarine, des guimauves. On en a. Un peu de vanille. Moi, j'en mets pas, je déteste le goût de la vanille. Pour vrai? Oh, j'haïs ça. Et ça prend 6 tasses de Rice Krispies. Ils sont là, le Rice Krispies. Mais ce qui est quand même rassurant, c'est qu'à l'intérieur, il y a une recette détaillée. Là, faut l'ouvrir. Oh mon Dieu! Je vais l'écarter. Hey, regarde ça, je suis pas intelligent, toi, chose. Moi, je me demande à partir de quelle étape tu vas poigner les nerfs. Non, non, très, très zen. J'ai vraiment l'esprit des fêtes. Waouh! Voilà, alors on va garder la boîte pas loin parce qu'on a besoin. D'instructions. De la... Ah, ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur. Laisse-moi sauver, j'ai peur qu'il arrive quelque chose.
C'est comme une zone de danger. Ok, je l'ai, okay. On l'a. On l'a, on l'a! Ouais! C'est un beau travail d'équipe. Oui, t'as tout fait, puis je t'ai gardé. Oui, je te ris comme une dingue. Oh, franchement, c'est en anglais. Oh non, c'est It's en... in English? Oh, ouais, you, you destroy the French. Je t'en boxe en français. On va avoir le capable de te tuer. Et toi, es-tu méthode micro-ondes ou méthode cuisinière? Moi, si on peut y aller dans le micro-ondes, j'y vais. Je sais pas, c'est juste que ça prend. On va voir. Mais ça prend un micro-ondes, si tu veux. Vaguement, je suis pas un fan connaisseur de cuisine parce que je n'en pas dans ce domaine-là, je n'en pas. Mais d'après moi, puis là encore là, là, je dis ça, puis peut-être que je me trompe, ça, ça ressemble à un micro-ondes. Hey, tout ce temps-là, c'était dans ma cuisine. Je le sais, savais pas. En haut de ton four, tu vois, c'est comme le coin cuisson aussi de ton, de ta cuisine. C'est l'endroit dont je me sers jamais. Attention, attention, attention! Ah! Victoire! Hey, j'ai chaud. Ça mérite une gorgée là-dessus. Oui. Quand je peux boire et... Oh! Il peut boire et sortir la margarine en même temps pendant qu'il me crache dessus avec des restants, un mélange de bave et de champagne. Là, c'est super. Je vais aller moi-même chercher la margarine. Toi, est-ce que techniquement, ça te dérange qu'il y ait un peu de champagne dans ta margarine? Non, en fait, j'aimerais ça. Oh. Alors, pendant que Alex essaie d'ouvrir la margarine, je vais faire ce que je fais depuis le début de la recette, c'est-à-dire boire pendant qu'Alex fait tout le travail. C'est ça qui est le fun d'être invité chez toi. Mm. Je comprends pourquoi ton ami Thomas... Ah oui, c'est pour ça que Thomas Gauthier m'a abandonné. Il savait, lui. Oh! Là, je tiens le cul. Hey, wow! Hey, ça va être long, 50 millilitres. Oh non! T'es-tu dédaigneux? Non, je suis pas dédaigneux. Bon. Ah. Bon, je suis pas dédaigneux, mais. J'ai quand même dépassé ma limite de. Ça a-tu commencé à faire des petites bulles? Non. Ok. Parce que ça, c'est la ligne qu'on dépasse tout le temps quand on fait fondre quelque chose. Je vais l'arrêter avant, je suis tout près du bouton stop reset. On a plus 50 millilitres. Oui, oui, on. Ben non, non. Pas en tout. Ah non, il en manque un bout. Remets-moi à peu près l'équivalent. Fais la même technique que tantôt. C'est quoi, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est plus? On a assez. Non, non, il y en a pas assez. Non. Ben, il y en a assez finalement. Il y en a assez finalement. Mm. Hey, écoute, honnête, sais-tu quoi? À ta minute, où j'ai montré un close-up de ça, on est arrivé à 50 millilitres. Regarde ça! Tu me niaises! On est quand même arrivé à 50 millilitres à l'œil! Le compas dans l'œil! On est les Martha Stewart des pauvres! C'est plus que pauvre! C'est les démunis! Je pensais qu'elle était, je sais même pas c'est qui Martha Stewart. Non, je sais c'est qui, mais probablement que mes abonnés de 14 ans ne savent pas. Ah, ben, il y a ça. Oh mon dieu! Moi aussi, je suis en train d'enlever le plastique. Je l'ai eu! Tu l'as eu, c'est ouais. Mon Dieu, t'es rapide, t'es vorace. Ensuite, oui, je suis vorace. Et... Hey, brûle-toi pas. C'est chaud. Hey, ça va être vraiment des... Ça va être vraiment des racistes pour adultes. Peut-être qu'elles sont pas en angle. Ah ouais, ah, ça c'est bon ça. Non, mais c'est parce que la dernière fois, j'ai fait... La dernière fois, j'ai fait ça avec mes... Je savais que ça allait faire ça, je savais. Là, faut le mettre au micro-ondes. Peut-être que tu pourrais préparer les Rice Krispies pendant ce temps-là. Je pourrais. Prends... 6 tasses. Ça, c'est 2 tasses. Ça, c'est 2. Merde, c'est pas vraiment 6. Non, c'est 4. 4? C'est même pas lire. 4. C'est pour ça que je rate tout le temps mes recettes. Bon. Oups. Je suis en train de refroidir ma préparation à grand coup. Oh mon dieu, j'en ai mis à terre! Oh! Avec des mocassins! Mais dans le fond, il y a comme un avant-goût de notre recette sur le plancher. Oui, c'est le... Non, ça va aller, je te laisse faire. C'est un travail d'équipe. Toute ma belle préparation. Ça allait si. Cette tasse là, c'est vraiment pas assez quand on a la version champagne. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, wow, 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 calme-toi. Hey, je suis en boîte. Ok, attends, attends, wow, 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 ok, non, ça va être assez. Non, non, attends, il en reste. Il en reste encore beaucoup même, je trouve que... Faut pas gaspiller parce que... Non, on gaspille pas, on va le manger celui qui est dans non, le... Non, mais c'est... Ah, c'est assez! Regardez les internautes. C'est dommage, je suis à la maison parce que vous pouvez pas le sentir, mais ça sent tellement bon. Depuis le temps que je rêve que toute ma nourriture sente l'alcool, c'est en train d'arriver. Voilà.
Ah, c'est moi qui commence? Oui. OK. Est-ce qu'on est chez toi, dans ta maison? T'as pris une généreuse bouchée, quand même. Bon, ben, je vous donnerai un thumbs up à la vidéo si vous avez l'intention de faire le Rice Krispies de Noël. Envoyez-nous des photos. Ben oui, tweetez-moi des photos. Oui. Ça, comment qu'on pourrait appeler ça? Un hashtag. Alex Krispies. Alex Krispies and Friends. Ça rendu bien trop long. Alex Krispies and Friends. Ouais. Ouais, c'était la dernière vidéo des 12 jours de Noël. Bravo, pendant que mon bras est collé sur mon chandail. Si vous avez manqué les 11 autres journées, ben tous les liens sont dans la description. Voilà. Et puis, joyeux Noël. Joyeux Noël, on vous embrasse. On vous aime plein d'amour. Oui, vous irez trouver Alex sur les médias sociaux. Oui, c'est ça. Venez me trouver sur les médias sociaux. Alex au fourneau. Alex au fourneau. Yeah! Ok, bye. Ça ferme. C'est terminé. Et t'as aimé ça, cuisiner avec moi? J'ai adoré ça. J'en reviendrai l'an prochain.